Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, après on fera deux petites attaques et après on ouvrira un coffre à couronne, enfin normalement. Donc là normalement on aura peut-être deux coffres à couronne, je suis pas sûr. On va jouer un peu, comment dire, on va jouer un coup de poker. Voilà, on va jouer un coup de poker, on verra bien si on a un autre coffre à couronne. Normalement, il n'y a pas de souci, donc on verra bien. Donc du coup je vais ouvrir un petit coffre gratuit pour commencer. Qu'est-ce que ça donne? 61 d'or. Ça c'est bon ça, j'adore les bonnes sommes comme ça. Allez, un extracteur, ça commence bien dis donc. 7 canons, ouais pourquoi pas. Allez c'est parti, on continue. Il y a encore des coffres à ouvrir mon petit. Alors 56 d'or on va dire que ça passe. 7 hordes de gargouilles, ouais. Et un géant, et ben ouais un géant. Ça ça fait plaisir. C'est parti, coffre d'argent. Alors eux ils donnent beaucoup moins. Ça c'est énervant, C'est pas chiant, c'est énervant. Donc 3 hordes de gargouilles. Ouais, 5 esprits de feu. Ouais, ça va. Jusque là, on a un bon pack. On a un bon pack opening. Hein. Ça fait plaisir. Donc 55 d'or. Une mousquetaire, ça fait plaisir. Et 7 mortiers. Et franchement. Bon, et mortier, c'est vrai que je m'en fous un peu. Mais malgré tout, on a la mousquetaire, tout ça, là, c'est pas mal, ça. Surtout qu'après, on a un petit coffre magique, les gars, arène 6. Oh là là là, j'ai envie de vous dire, un petit bisou, quoi. Bon, 46 d'or, ouais, ça passe. 7 gobelins à lance, ça, il y a moyen de faire quelque chose, là. Hein. Une mousquetaire, encore une fois, et franchement, assez... Oh. On sait jamais. Imaginons le coffre magique, là, il est ouf de ouf. Oh là, ça pourrait être pas mal. Imaginons, il y a une épique, une légendaire dedans. Oh là 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 là. Bon, 396 d'or, presque 400. Presque 400. 2 gemmes. Oh, on est déjà à 324. Hein. Dès que j'aurai 500 gemmes, je ferai un mini tournoi, tu vois. Ah ouais, je suis un fou, moi. Un géant, ça fait plaisir. Mortier, nickel. Et fournaise. Ok, bah, ça c'est génial. Fournaise. Et attention, et 32 gobelins à lance, on va dire que ça passe, On va dire que ça passe, ça fait plaisir. J'aimerais bien les améliorer d'ailleurs, les gobelins à lance. Je crois, je suis pas sûr. Non, je les utilise pas pour l'instant, mais malgré tout, c'est quelque chose que... Oh ouais, je vais améliorer les archers. Oh, ça va être bon ça. Bon, et, oh, vous avez raison, coffre à couronne, j'avais raison. Donc du coup, on va ouvrir ce fameux coffre magique. Ah, t'as pas intérêt à me décevoir. Non, c'est pas... Si, c'est ça, c'est coffre magique. T'as pas intérêt à me décevoir parce que franchement sinon je t'explose la tête. Oh c'est bon, on a assez pour améliorer la carte, ça fait plaisir. 3 barbares, alors là tu commences petit hein. Petit. 3 archers, ouais tu commences vraiment petit quoi. Hein. Oh là là, si tu me réserves de l'épique, de la légendaire, je te fais un petit bisou. Le bombardier qu'on pourra aussi augmenter, ça c'est pas mal. Ouais, du mortier, ouais ça va. Du chevalier, ça fait plaisir, ça va. Enfin, c'est pas extrême, mais ouais. 15 extracteurs de luxure, ouais, j'ai envie de dire, ouais, au moins c'est plutôt pratique, hein, ça fait plaisir. Et du géant squelette. je suis joyeux. Ouais, c'est génial. C'est génial. Bon, eh ben... Non, franchement, ils se foutent de ma gueule, là. Ouais. Non, là, franchement, je j'ai envie de me dire, bon, il y a mieux comme troupe, quoi. Je sais pas, moi, tu m'aurais donné du golem. Du golem, hein? Du bon golem, pourquoi pas? Du golem, ça aurait été pas mal. Je sais pas, moi, ou peut-être même... Ne serait-ce qu'une bûche, déjà. Déjà, ne serait-ce qu'une bûche, j'aurais été déjà un petit peu plus content, tu vois. Petite déception. Bon, ça arrive, j'ai failli appuyer sur le bouton, c'est pas grave. Donc petite déception, voilà. Donc bah un autre cher petit squelette géant que je n'utilise pas du tout et qui est vraiment très dur à manier. C'est sûr quand il arrive, bon ça fait plaisir quand t'enlèves je sais pas combien de points de vie à la tour, mais bon malgré tout c'est oh, c'est chaud quoi. Hein. Bon en attendant on va se faire plaisir, on va améliorer des archers. On va améliorer les archers donc ouais archer niveau 8. Hop on améliore donc 6 de dégâts par seconde et 7 de dégâts en tout. Ouais bon allez c'est parti, hop là niveau 9, oh ça fait plaisir, petit à petit on augmente les troupes, ça fait plaisir. Alors il y a juste un petit problème, c'est que moi j'aurais bien voulu avoir le golem quand même. Hein. Attends j'avais quand même compté sur le magic là d'arène 7, d'arène 6 je veux dire, à chaque fois je me trompe avec cette merde. Avec le golem d'arène 6, je me suis dit allez on est chaud quoi, on a, c'est où, ah c'est là,
Magic, ouais, c'est bien ça. Donc, tu vois, à Rennes 6, tout ça, je me suis dit, bon, allez, on est chaud, boum, on va avoir de la carte, quoi, tu vois. Hop là, et bah non, que dalle. Bon, c'est pas très grave, on a eu quand même des cartes assez sympathiques, comme du Bombardier, par exemple. Bombardier, est-ce que j'utilise? Non, j'utilise pas. Bon, malgré tout, c'est une carte que j'aime bien, malgré tout. Donc, du coup, moi, je pense que je vais vous dire à tout de suite pour attaquer. Donc, on va attaquer avec ce deck. On va se faire des attaques avec ce deck parce que c'est le meilleur que j'ai pour l'instant. Les autres sont pas extrêmes. Bon, ça, c'est un deck test, je crois. Ouais. Les autres sont pas extrêmes. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, je vous dis à tout de suite. C'est parti. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on se retrouve... Non, je... Non, mais c'est parti. On est avec Tiras. Non, parce que j'arrive pas à lire. Enfin, je prends pas le temps de lire, quoi. C'est ça, le délire. Parce que je veux absolument lui dire bonne chance, tout ça, là. Avant que ça commence. Bon, du coup... Là, on a lancé notre truc. C'est pas dit qu'on gagne. Je suis à 1703 de trophées, les gars. C'est chaud patate. J'ai envie de dire même, c'est... c'est la merde. Bon. Arrêtons les conneries. Donc, alors, est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose de bien? Oh, j'ai envie de dire que oui. J'ai envie de dire que oui. J'ai envie de dire carrément. J'ai envie de dire carrément, mais est-ce que... Oui. Ouais. Non. Ouais. Ouais. Bon, bah non. J'ai le démon. J'aurais dû envoyer mes petits gobelins, affût à gobelins, là. Bon, c'est pas très grave, hein. Qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je peux, moi. Je fais ce que je peux, hein. Je suis pas non plus un dieu. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Ouais. Le mec, il vient de taré, tu sais. Ça, c'est bon, ça. J'adore ça. J'adore quand ça fait ça. Bon, on va envoyer quoi? On va envoyer de l'archer ou pas? Ok, on envoie ça, là. On envoie ça, là. Hop, on envoie... On envoie ça, on est des fous. On envoie ça avec. Allez, c'est parti, les gars. Alors là, on va se faire masse de... C'est obligé, là. C'est obligé, on se fait masse. On se fait masse ou pas? On se fait masse. Il meurt ou pas? Ah, dommage, de que dalle. Oh, on se prend la tour. Mais c'est génial. Bah, c'est parti, on va vite prendre la deuxième, là. On va vite... Ça... Oh là 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 là, mais c'est génial. Là, tu paries combien il va prendre celle de droite en 2 ans de chrono avec son cochon? Allez, t'es prévisible, j'en suis sûr que t'es prévisible. Ah non, pas con. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer... de toute façon, j'ai pas le choix, je vais devoir envoyer de la Valkyrie. La Valkyrie qui va bien me servir. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer... On va envoyer de la horde, et puis on va envoyer du cochon. Le cochon qui va faire un minimum de taf, ça va être génial. Hop, le cochon... Oh là là, mais il est mort. Mais il est mort. Eh bah ouais. Mais il est mort. Regardez, à la fin, là, boum. Ça, c'est bon, ça. Oh là là. Putain, et ça fait plaisir. Franchement, j'ai envie de dire, tu vois, bam, comme ça, dans sa gueule. Non, je déconne, c'est bon, on rigole. Bon, allez, super combat. Et bonne chance pour la suite. Voilà. Franchement, ça fait plaisir. Donc là, on est remonté, voilà, à 1732, ça va. Putain, ça c'est chiant. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti. Salut tout le monde, alors... Putain, mais encore une fois, je fais de la merde. Non, allez. Ouais, donc du coup, on se retrouve quand on est à niveau 9, parce que là, je suis en mode stress total. Les gars, je suis contre un niveau 9, quoi. Putain, je suis contre un niveau 9. Vous imaginez, OS, quoi, là. OS, le niveau 9, hein, salaf. Le problème, c'est que je suis à 1710 de trophées. 1710 trophées. Donc je viens juste de perdre. Voilà, donc j'aimerais pas reperdre, hein. Ce sera plus... Ouais, bah il a de la tour de l'enfer. Histoire vraiment de me défoncer, quoi. Regardez-moi ça. Je vais me faire défoncer, mais en 10 secondes chrono. C'est pas en 2 secondes, c'est en 10 secondes. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Comment je vais faire, les gars? Comment je vais faire? Donnez-moi une astuce, je sais pas. Vous avez pas un cheat code ou... Il a pas touché ma tour. Bon, c'est pas grave, les gars, on va y arriver. Oh, regardez, petite de compagnie. Ouais, bon, ça va pas servir à grand chose. Je pensais qu'elle allait rester, la petite. Mais non, malheureusement, non. Bon, ce qu'on va faire. Oh là, niveau 10. Est-ce que ça va les tuer du premier coup? Ah, ça va. J'ai cru que ça allait pas les tuer du premier coup. Hihi, ouais, youpi. Ouais, bon. Mec, je suis pas là pour rigoler, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis pas là pour rigoler. Non, mais allez, laisse-moi gagner, sois gentil un petit peu. Regarde, t'es à 1708 de trop. Ah ouais, t'es à 1708. Là, c'est chaud, hein. Là, on se bat pour la victoire, mon gars. Là, on se bat, là. Là, on est tous les deux à ras 1700, on se bat, quoi. Ah là là, bon. Est-ce qu'on va y arriver? Ça m'étonnerait. Mais j'ai envie de te dire, on est obligé d'y arriver, sinon on est dans la merde. Voilà, donc on envoie ça.
On va envoyer des flèches, mais j'en ai pas. Bah c'est pas très grave, ce que je vais faire c'est que je vais envoyer du feu à gobelin. Ça ira déjà bien. Est-ce que ça va donner quelque chose de bien? Il y a moyen. J'ai envie de dire qu'il y a moyen. Ouais, ok, ça fait des dégâts. Carrément, ça fait des dégâts. Bon, cette fois-ci... Oh oui, la minute spéciale, ça fait plaisir. Ouais. Bon, il vient d'envoyer ses flèches. Alors là, mais on va tellement profiter qu'il vienne d'envoyer ses flèches. Mais on... voilà, tour... Attends. Tour de l'enfer, les flèches. Le gars, il a tout envoyé, quoi. Le tour de l'enfer, les flèches, tout ce qu'il fallait pour me contrer. On va en profiter. On va envoyer du cochon avec. Hop, on va envoyer des gargouilles histoire de défendre. Enfin bon, laisse tomber, quoi. Là, on va faire un carnage... Mais genre bien comme il faut, quoi. Oh là là, regardez-moi ça. Pour le mec, il a aucune chance. C'est pas possible. Oh, regardez, en plus, je renvoie des machins alors qu'il vient juste de tirer. Oh là 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 là. Comment ça, merci? Pourquoi il dit merci? Parce que... Ah ouais, bon, d'accord. Pourquoi il dit merci? Bon, bah, bonne chance pour la suite, gros. Merci à toi, plutôt. Enfin... Bon bah voilà, je sais pas pourquoi il a dit merci, peut-être qu'il voulait descendre de trophée, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête. Il a peut-être fait exprès, hein, effectivement, parce que c'est vrai que bon, il a pas non plus extrêmement bien joué, mais je sais pas. Bon, en attendant, on s'est fait une bonne petite attaque, j'ai pas encore assez pour ouvrir le coffre à couronne, donc moi je vous dis à tout de suite pour le coffre à couronne, c'est parti. Du coup j'ai eu 3 étoiles, et enfin 3 couronnes, et donc du coup normalement, j'ai assez ou pas? J'ai pile assez, mamtei. Ça fait plaisir. Voilà, donc on va ouvrir ça pour la nuit. Donc du coup, on sait jamais au passage, hein, cœur pur, hop là, non mais c'est, voilà, avec un S, ENT, voilà, on est plusieurs, donc je pense pas qu'à moi. Bon, alors, non, je déconne. Bon alors, du coup on a gagné grâce à quelqu'un qui a eu un problème, tant mieux pour moi. Donc coffre à couronne, c'est parti les gars. Putain. Enfin pas putain mais youpi, ouais youpi. Oh, oups, désolé, pas fait exprès. Non c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas... Non c'est pas moi. Bon alors 2 gemmes, 9 mortiers et 3 roquettes. 3 roquettes, c'est pas ma carte préférée on va dire. Sinon il y a quoi de... Fournaise. La dernière fois, il y a longtemps, j'avais dit fournaise. Que des foutaises, ou un truc dans le genre, tu vois. Horde de gargouilles. Mais alors là, mais j'attends que ça, mon gars. J'ai envie de les augmenter, j'attends que ça. C'est ma priorité, les hordes de gargouilles. Ah, par contre, c'est fini. Ah, je pensais pas que c'était fini, tu vois. Bon, bah, c'est génial. Popo. Fille va être travers. Bon. Horde de gargouilles, qu'il faut que je sois à niveau 9, flèche et les gargouilles. Et après, j'aurai toutes mes troupes communes niveau 9. Après, il faudra que j'ai les chevaucheurs, enfin le chevaucheur niveau 6. Et pourquoi pas niveau 7 aussi. Faudrait que ça soit niveau 7, les rares. Et les fûts à gobelins, par exemple. Enfin, ouais, le fût à gobelins, donc c'est épique. Faudrait qu'elle soit niveau 4. Et du coup, je serai un très bon niveau 8 qui serait surpuissant. Ça serait génial. Je pourrais aller super haut. Voilà, bon, voilà, malheureusement, il n'y a rien de nouveau. Donc, oh, regardez, si vous enlevez 50 minutes, ça veut dire qu'il est environ 23h et 4 moins... Ouais, donc ça fait 3. Donc, 23h, 3 minutes et quelques secondes. Bon, en attendant, je vais vous laisser sur ce. On s'est fait un petit pack opening. On s'est fait 2 petites attaques avec ce deck. Et on a eu un deuxième coffre à couronne. Franchement, c'est génialissime. Voilà, donc moi, je pense que je vais vous laisser sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis, n'oubliez pas... Avant de n'oublier pas, on a eu quand même, on a eu quand même des squelettes géants. On s'est bien fait douiller sur ce moment-là, tu vois. On a eu un coffre magique, mais des squelettes géants. Putain, je me suis fait douiller comme jamais. Bon, moi je vous laisse sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.